Je souhaite la recevoir sur le plateau de l'émission. Depuis mon arrivée en tant qu'animateur, il y a presque 9 mois déjà, elle nous interprète une pièce qui est numéro 1 depuis plus d'un mois. Avec la superbe comme avant, voici la non moins superbe Marie-Mé. Comme avant, vivre entre le noir et le blanc. Comme avant, quand l'univers nous paraissait plus grand. Nos souvenirs d'enfance, éternelle insouciance. Comme avant, et revenir de loin pour un instant. Oublie que tout se casse, que la vie nous dépasse comme avant. Marcher sans tenir la main, comme une renaissance, moment qui recommence, pas de fin, parce qu'il y aura toujours un lendemain. Oublie que tout se casse, que la vie nous dépasse comme avant. Passe comme avant, contre le temps, remonter les jours et retrouver l'innocence. Comme avant, à contre-courant, mener vers un passé où rien n'a d'importance. Bravo! Merci, viens nous joindre. Merci les boys. Est-ce que tu peux nous les présenter d'ailleurs, ces superbes guitaristes? J'ai oublié leur nom. Non, c'est pas vrai. Fred Saint-Jean à la guitare et Patrick Bouchard. Il y a une fraction de seconde, mais j'ai non! Dit. Mais non! Voyons. Assis-toi. C'est des gars qui sont avec moi depuis le début. Bien, c'est ça que je me disais. Mais un en particulier, je me disais, ça se peut pas qu'elle ait oublié ben les non, noms. Ben non, non. Écoute, faut que je regarde ça tellement il y a des statistiques sur toi, Marie-Mé. Bon, c'est interprète féminine de l'année au dernier gala de la disque. Tu as chanté aux Olympiques en 2010, en duo avec Elvis. Tes 3 albums ont été certifiés disque platine, donc plus de 80 000 copies vendues. 5e Centre Bell le 6 mai prochain. T'es big, Marie-Mé. Le réalises-tu? C'est drôle parce que je vois pas ça comme ça. T'sais, chaque petit moment qui m'est arrivé dans ma vie, chaque rencontre que j'ai faite, je le vois comme quelque chose de magique, quelque chose d'unique. Puis après ça, bon, les statistiques, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est comme du glaçage sur un gâteau. Mais moi, l'important, c'est le contact que j'ai avec mes fans. Puis là, on voit là, une petite armée de belles faces. On va les là. Voir tantôt. C'est il n'y a jamais eu autant de public en studio. J'adore mais, ça. Moi, c'est pour ça Salut. Que je fais mon métier. C'est extraordinaire de voir ce que des chansons peuvent aller faire chez des gens, chez des jeunes, chez des moins jeunes. Puis pour moi, c'est ça qui compte le plus. Allez les toucher. On va te le faire réaliser ce matin, en tout cas, que t'es big. C'est on va... drôle.
Vas-y. Ça me fait sentir super mal en plus. Ben, je suis pas gênée. Je sais pas. Tu vas voir. Tu vas apprécier le moment parce qu'on va revisiter tes succès. Okay. Et tes jeunes fans qui sont ici aussi, je pense qu'ils vont aimer ça. Donc ça, c'est dès le retour de la pause. Puis aussi, je vous le dis tout de suite, on est extrêmement privilégiés parce que ton réalisateur de Chum, Fred Saint-Gelais, a accepté donc de joindre à nous pour l'entrevue dans le dernier bloc. Et on va vraiment jaser de son travail et de son apport dans ton son. Dans le son de Marie-Mé. Qui est tellement important. Qui est vraiment important. Mais pour aller à la pause, je me suis fait plaisir. Ma demande spéciale, on se reporte en juin 2008. Okay. Alors que je quittais Salut Bonjour en tant que chroniqueur culturel. Oui. Et Marie-Mé, c'est l'artiste dans ma jeune carrière là, que j'ai interviewé le plus souvent. Tu sais, je tiens plus le compte. On doit être rendu à 10 ou 12. Ça va, ouais, c'est fou, hein? Et là, l'équipe m'avait surpris avec une pièce d'un chanteur qu'on aime beaucoup tous les deux, Justin Timberlake. On va à la pause avec ça, What Goes Around. Cool. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around.